Bah bravo, bravo. Moi tous les ans je me dis cette année je m'y prends en avance et à une semaine de Noël, j'ai toujours pas fait mes cadeaux. Par contre cette année je vais chez les petits commerçants. Ah ouais, faut les soutenir. Faut aller dans les boutiques rue Saint-Rome, même si rue Saint-Rome avant Noël, j'ai l'impression de regarder Netflix. Et allons au marché de Noël place du Cap, manger du vin chaud, boire de l'aligot et acheter des ponchos faits à la main en poil de zob de taureau du Larzac. Bien sûr, c'est un gilet, il y a des trous plus grands pour les bras. Alors. Puis il faut aller voir les illuminations. Ah bah à Toulouse, simplement avec les illuminations de la rue Alsace-Lorraine, on pourrait fournir le Lot-et-Garonne en électricité pendant 3 ans. Allons à Arnaud Bernard faire vivre les petits commerçants qui vendent des produits bio sous le manteau. Made in Massat. Ah bah Noël dernier, je vais faire ça à mamie en fin de soirée et danser avec le chien. Pour le réveillon, il faut aller sur le marché. À Toulouse, il y a le marché des Carmes, où les gens sont en escarpins. Il y a le marché Victor Hugo, où les gens sont en Louboutin. Et il y a le marché Saint-Aubin, où les gens n'ont bah, ils ont pas de chaussures. Moi, le week-end dernier, je suis allé au marché Régal. J'ai revu l'ex d'un copain ariégeois. J'adore l'esprit de Noël, moi. Attention, par contre. Il y a des choses qui sont esprit de Noël et d'autres qui sont pas esprit de Noël. Hein. Bah tenez, boulevard de la Gare. Mettre un costume de Père Noël. Esprit de Noël. Mettre un costume de Mère Noël. Pas esprit de Noël. Alors quelques exemples de cadeaux. Un portefeuille à cadenas à un Aveyronnais. Noël, c'est ce soir Noël. Offrir une bouteille de Fronton à un Bordelais. Noël, c'est ce soir Noël. Ou sinon, le petit illustré du parfait Toulousain, avec des super blagues. Ah, quelle est la différence entre le pas de la case et un club échangiste? Au pas de la case, on est limité à 2 cartouches par personne. Moi je vous laisse, je dois faire mon repas de fin d'année avec l'équipe d'Actu Toulouse. Mais bon, les repas de Noël de fin d'année, l'an dernier j'ai roulé des pelles à mon patron. Ouais, mais je bossais à la mairie de Toulouse. Bah Moudin qui m'a fait la gueule pendant 3 semaines.